Non, vous ne rêvez pas, Mathieu Coutadeur et Ismaël Bangoura sont de retour en Sarthe et sous le même maillot. Non pas sous les couleurs du Mont FC, mais pour jouer face à l'association sportive d'aide aux jeunes footballeurs. C'est un grand plaisir surtout d'être là pour l'association aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là. En plus de retrouver les anciens manceaux avec qui on a pu jouer et les dirigeants aussi. Donc énormément plaisir, ça fait du bien. Donc j'espère qu'on va offrir un beau spectacle. En effet, le spectacle était au rendez-vous. Grâce à des buts de Coutadeur, Bangoura, Mathieu Dossévi ou encore Stéphane Sanson, les anciens pros du MUC 72, coachés par l'emblématique Alain Pascalou, l'ont emporté 5 buts à 0. Mais l'essentiel n'était pas là face à cette équipe composée de jeunes joueurs n'ayant pas réussi à devenir footballeurs professionnels. Si on peut aider les jeunes aussi, qui sont dans des moments de leur vie qui est un peu compliqué pour retrouver un club ou ne serait-ce que s'insérer professionnellement. Donc c'est bien d'être là, ça fait plaisir. En plus, on voit les copains. Donc tout est réuni, c'est parfait. C'est bien de se retrouver, ça me fait plaisir. On ne s'était pas vu depuis pas mal de temps et en plus c'est pour la bonne cause, donc c'est sympa. Les gradins de la Milès prennent des allures du mythique stade Léon Bollé, de quoi rappeler aux anciens joueurs leurs plus beaux souvenirs, mais difficile de n'en choisir qu'un. Il y en a tellement à dire que c'est que des bons souvenirs, que des très grands souvenirs, et il n'y en a pas un de mauvais, donc il y aurait beaucoup à dire. Dans un coin de ma tête, ça va, j'espère qu'un jour je revivrai des moments comme ça avec Le Mans. Actuellement libre de tout contrat, Mathieu Coutadeur ne ferme pas la porte à un éventuel retour un jour au Mont FC.